Bonjour à tous, une petite vidéo sur Word pour mettre des numéros de page. Donc là, j'ai trois pages, une page 1, une page 2 et une page 3, et je veux mettre des numéros de page. Donc pour mettre des numéros de page sur Word 2007, je vais faire insertion et je vais aller dans numéro de page. Donc je choisis en général de mettre ma page en bas et je vais choisir un style de numéro de page. Donc il y en a un, celui-là par exemple. Je clique dessus et là dans mes numéros de page, j'ai page 3, page 2, page 1. Imaginons que sur notre fichier, j'ai les pages qui vont de 10 à 13. Donc je vais dans insertion, je fais numéro de page et là j'ai format numéro de page. Je clique dessus et je fais à partir de la page 10. Je fais OK. Donc là, j'ai ma page 10, 11, 12. Donc c'est à partir de la page 10, et comme j'ai trois pages, 10 à 12. Maintenant, je vais changer de style de numéro de page. Je vais faire insertion numéro de page et je vais chercher page X sur Y. C'est par exemple, là, ça serait de 10 à 12. Donc, je cherche page X sur Y. Donc, X sur Y. Donc, c'est ici. Voilà. Donc là, je peux centrer. Donc, j'ai accueil. Et je peux centrer dans mon pied de page. Et là, vous voyez, j'ai page 10 sur 3. C'est pas bon. Ça serait page 10 sur 12. Donc, je mets un 12 à la place du 3 et je ferme mon entête des pieds de page. Donc j'ai la page 11 sur 12, 12 sur 12. Voilà. Donc ensuite, sur un autre fichier, par exemple, j'ai les pages qui vont de 8 jusqu'à 10. Donc je fais insertion numéro de page. Et là, j'ai format numéro de page et je vais mettre à partir de 8. Et je fais OK. Donc là, on voit qu'on a la page 8 sur 12. Donc ici, je peux toujours modifier, hein. Si j'avais que 8 et 9, je peux mettre 10. Donc là, on était à 12, hein. Et ensuite, on ferme l'entête. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.